Eh bien salut à tous, c'est Schizofaf, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2017. Donc bien sûr aujourd'hui je vous présente une petite carte bien sympathique. Donc une petite carte qui a été traduite en français par Xandaria bien sûr. Où vous retrouverez bien sûr pour tous ceux qui connaissent tous les productions, tout ça en français. Donc une petite map vraiment complète où on va faire un peu le tour rapidement. Déjà on va regarder à peu près le corps de ferme. Donc vous voyez le corps de ferme est quand même pas mal grand, qui est assez sympathique. Donc je vous ai fait quelques vues aériennes. Vous avez pas mal de stockage bien sûr sur la carte, qui est pas mal. Et vous avez surtout pas mal de choses. Vous voyez, on va regarder vite fait, on va faire le tour. Vous avez pas mal de choses avec animation, avec des rajouts qu'il n'y avait pas avant et que je trouve ça très sympathique. Donc vous voyez, comme là, l'eau, l'engrais, vous avez des compteurs partout. Vous pouvez faire des semences. Vous pouvez faire aussi de l'engrais. Vous avez les ponts. Vous pouvez monter les ponts et descendre les ponts à partir d'ici. Je vais remettre mon ATH pour que vous voyez bien. Hein. On va appuyer sur F1, ouais. En cliquant sur la souris, bien sûr, ça va remonter, vous voyez, les sortes de ponts. Donc c'est super bien scripté, super bien fait. La map est super grande et super complète parce que il faut savoir que sur cette carte, vous avez tout ce qu'on a d'origine. Vous avez le compost en plus à notre gauche, mais vous avez le houblon, le blé, le soja, le seigle, l'orge. On va monter un peu, hop. L'orge, le colza, le tournesol, le triticale, le maïs, les potres. Et vous avez bien sûr un tableau complet qui vous redonne tout ce qu'il y a. Donc tout ce qu'il y a dans vos entrepôts. Donc vous voyez, ça rapporte les carottes, les oignons, les laitues, les houblons, les porades, les choux rouges, les choux blancs, lisier, fumier, compost, paillère, ainsi de suite et tatati. Vous voyez bien le tableau, tout ce qu'il y a. Mais aussi vous avez un autre tableau qui est sur le côté, qui vous rapporte toutes les usines. Donc je trouve ça super super bien ce qu'ils ont fait, une petite carte bien sympathique. On va aller faire le tour un peu de la carte, hein, bien sûr, hein. Même si je vous ai fait une vue aérienne, on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Donc vous voyez, il y a la fabrique de crite, il y a le cerisier, il y a le prunier, il y a la raffinerie, la fabrique de yaourt, la boulangerie, la scierie, la pâtisserie, la moulin à vent, la distillerie, la salade en sachet, le costelet, star, c'est bien ça, ouais, costelet, huilerie, le Milk Max, carrière, fermenteur, fabrique de semences, fabrique d'engrais liquide, l'usine de sucrerie et la brasserie. Donc ça fait beaucoup de choses. La carte, comment est-elle grande? Elle est grande comme ça. Vous voyez, elle est assez volumineuse et tout. Je trouve ça sympathique. Donc je vous laisserai découvrir la carte, hein, en sachant que maintenant elle est entièrement en français, qu'elle a été traduite par Xandaria, qui a passé pas mal de temps dessus. Donc je trouve ça bien, je trouve que c'est bien fait. Donc on va aller faire un petit tour du côté du BGA, parce que alors c'est la première fois que je voyais un BGA comme ça. Donc le BGA il est là, pardon, et un BGA nouvelle génération, ça me fait plaisir de voir. Donc nous voici au BGA. Donc ça, ceci est un BGA, donc vous pouvez retrouver bien sûr les silos de fermentation pour l'ensilage, qui est pas mal, mais vous avez aussi les cuvalisiers pour décharger tout ce qui est ensilage et tout ça. C'est ici, vous voyez, vous pouvez décharger soit là, soit vous déchargez à partir d'ici. Et je trouve super bien fait le mode de design de BGA qui a été changé, et je trouve ça vraiment très très joli. Donc bien sûr, il y a d'autres trucs qui sont jolis sur la carte, vous pouvez bien sûr admirer entre guillemets rapidement. C'est la brasserie qui est à côté. Donc on va prendre un peu d'envol, hop, voilà. Mon ascenseur nouvelle génération, et on est à la brasserie. Donc la brasserie, tout est marqué, hein. Vous verrez que partout où vous irez, en fait, tout sera marqué en français, parce que toutes les traductions ont été faites. Donc l'orge, le doublon, l'eau, vous voyez, l'expédition de bière et tout. Donc c'est vraiment complet, vous avez une tonne de possibilités à faire. Je trouve ça simplement magnifique. Bon, un peu gourmand de la carte, je dirais, parce que niveau texture, couleur, c'est assez flashy. Donc du moment que c'est flashy, ça demande un peu plus de ressources pour les PC, malgré que je pense que en faible qualité, ça doit aller un peu mieux quand même. On va regarder aussi, on va faire un petit tour au port, parce que le port, je l'ai trouvé assez joli quand même. Donc vous voyez, on est au port, donc la première partie du port, hein, bien sûr. Donc où vous pouvez retrouver un peu tout ce qu'il y a, hein. Donc vous avez votre point de vente aussi. Donc les trains sont animés, vous avez quelques trains qui circulent, vous avez les péniches aussi qui sont animées et qui circulent. Donc une fois que c'est plein, en fait, tout ça va partir, et ça va partir bien sûr soit dans le canal, soit par train. Donc on va continuer la suite de la visite, on va essayer d'aller aux salades,
on va essayer de hop, voilà, passer par là. Donc ici la salade Artum, donc assez bien designé, vous voyez, où il faudra ramener pas mal de choses, où vous avez pas mal de trucs à ramener. Et ce que je trouve sympathique, c'est qu'il y a quasiment tout en palette. Et vous pouvez faire tout en palette, et je trouve ça tout simplement sympa. Donc je vais vous montrer aussi que, bien sûr, sur cette carte, vous avez des nouvelles semences. Donc dans les semences, comme je vous disais, il y a l'avoine, il y a le seigle, il y a le houblon, il y a l'oignon, il y a la carotte, il y a l'épure, il y a la laitue, il y a le chou rouge, il y a le chou blanc, il y a le lait UHU. Vous avez le snap, vous avez le pain, le gâteau, la bière, le compost, le sable, le sucre, les cerises, les prunes, la farine, les yaourts, la salade composée, l'huile, le colloès, le cric. Donc ça fait pas mal de possibilités, mais je pense que ça serait une carte en multijoueur qui sera assez sympathique à faire. Donc on va passer hop par le trou, boum, je me retrouve à l'entrepôt. Donc à l'entrepôt, bien sûr, vous viendrez faire vos livraisons et vos expéditions, et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, tout est répertorié derrière. Donc le pain, l'huile, le sucre, le cosplay, le crit, le snap, le lait UHU, vous avez les gâteaux, vous avez les cerises, les prunes, les salades composées. Donc vraiment une carte qui est vraiment sympathique, quoi. C'est, moi je trouve que c'est vraiment sympa, et de l'avoir en français, c'est encore plus simple, je pense, pour plus d'un, hein. Donc c'est pour ça que je vous la repartage du travail de Xandaria. Je vous repartage du moins le travail de Xandaria, donc profitez-en bien. Et sur ce, les amis, bah, je vous dis un petit j'aime, un petit commentaire. Partagez la vidéo pour tous ceux qui voudraient tourner, bien sûr, en français sur cette carte et qui connaissent déjà la carte. Et avec ceci, bah, je vous dis à la prochaine avec Schizofaf. Ciao, bonsoir.